Oh, oh gros, oh gros, oh. Vlog numéro 5. On est au Reganias, donc on est juste à côté de chez moi. On est venu faire des petits shuttles histoire de rider un peu en descente. Parce que du coup, je m'entraîne physiquement en ce moment, mais je roule pas trop en bike parce que bon, on a eu un peu de la météo pour avoir. Mais ça y est, c'est bon, c'est l'heure de faire un peu de DH. Et ça, ça fait trop plaisir. Regardez, Hugo, il est en train de pisser tranquille. On avance calmement, la tête dans le guidon. Le cœur s'enflamme comme l'essence dans le bidon. Pas le temps de s'arrêter, alors emballe-moi ton pilon. Je parle pas trop, mais mon regard en dit long. T'aimes bien mes sons, cœur, je le sais. Je suis pas trop présent, mais je récolte l'amour que je sais. Quand je m'en vais, toi. On se promettait des choses, la parole c'est mon arme. On n'a pas récolté grand chose à part des cris et des larmes. T'avais promis que j'aurais du temps pour toi. On est cerné par les murs. Bon, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez bien voir, la piste est démontée de ouf. C'est n'importe quoi avec les. Avec les intempéries. Il y a tout qui est défoncé. Sur les photos que tu peux remater nos têtes. En attendant, j'ai rendez-vous au motel. Oui. Cette nuit là dans le motel, éveillé jusqu'à l'eau. Cette fille, je l'ai vue la veille à Long Beach, elle est sur la côte. Ah, vous allez sauter? Je sais pas trop par où je vais. Parce qu'on vous regarde. Bien que pour faire du fric que j'ai dû faire, je ressens un vide dans mon réservoir à pulsion. Je peux pas choisir, je suis rien si j'ai plus le son. Me fais pas la morale, j'ai des rimes dans mes pensées. Des blessures au cœur ne se soignent pas au pansement. Des nuits entières à vouloir exploser nos ardeurs. Je joue pas l'imposteur, réglons ça en quart d'heure. Mais de l'autre côté, y'a les autres filles, je te connais par cœur. T'es jalouse de ces groupies, oh oui, ne m'en veux pas. Tu sais, moi j'ai rien demandé. Tu sais, les gens t'adorent quand il s'agit de monter. Rempli d'élégance, t'es classe, t'es discrète. Baby mama, crains pas les disquettes. Tu t'en fous du luxe, du Dior ou Discord. Je perds le moral que quand le dis s'arrête. Inconscient de mes actes mais pas innocent. Je me contente juste de moments simples. Ensemble on est passé, je rire au sang. Je voulais m'excuser par des mots en vain. Aïe 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 aïe. Là que sur les photos que bah. Tu bah écoutez, c'était pas la folie. Le track il est déboîté avec cause des intempéries. Du coup c'est très très dur à rouler. Aujourd'hui je fais quand même pas mal de tests aujourd'hui sur des nouvelles parts sur mon bike. Du coup c'est assez cool. Par contre le track est démonté, mais vraiment genre les intempéries en fait ça a tout niqué. Du coup il y a des endroits c'est hyper dangereux, on peut pas aller vraiment vite, il y a beaucoup de cailloux au milieu, il y a des grosses tranchées en fait faites par l'eau. Mais du coup c'est intéressant du coup parce que vu que je teste le bike, ben, au moins ça me permet de voir comment il réagit en fait dans certaines parties. Donc voilà les gars, franchement trop stylé. J'attends Hugo là, je sais pas ce qu'il fait le fils. Il est pas là le fils. Le fils il est présent, il est malade, il fait des shuttles. Ah, il faut ce qu'il faut hein. Oh le mec il a. Le mec quand même, il a un collier de chien pour faire du vélo. Est-ce que vous voyez? Il est fou ce mec. Il est fou. C'est au cas où on casse la chaîne du vélo. Yes, ça filme, gros. Allez. Cette nuit là dans le motel, éveillé jusqu'à l'eau. Cette fille, allez là, le gros là. Elle est sur la gueule. On a rapproché nos têtes, allongées sur le dos. Cette nuit là dans le motel. Oh, les trucs défoncés, quand. Dans le motel, dans le motel. Oublions les regards. Dans le motel, dans le motel. Comme si c'était le dernier soir. Ouais. Dans le motel, dans le motel. Oublions l'air. Oh, gros. Oh, comment tu t'es envoyé, c'est niqué. Oh, gros, tu es niqué, frère. Mec, t'as tapé là, gros. Oublions les regards. Oh, elle était belle, ça. Dans le motel, dans le motel. Comme si c'était le dernier soir. Dans le motel, dans le motel. Oublions les regards. Dans le motel, dans le motel. Comme si c'était le dernier soir. Cette nuit là dans le motel, éveillé jusqu'à l'eau. Cette fille je l'ai vue la veille à Long Beach, elle est sur la côte. On a rapproché nos têtes, allongées sur le dos. Cette nuit là dans le motel. Ah
Ah ouais. Pas mal, pas mal. Par devant. Non. Ah ouais. T'es démonté ? T'es passé par devant où ? À la pierre. Où ? Au rocher, tu sais. Quel rocher ? Où tu fais sur le rocher, tu ressortes. Non. Ah, ça. Tu vois ? Pas rien. C'est le coude. À frotter, quoi. Ça va, tu t'es paniqué ? Ouais, un peu, mais ça va. Franchement, je croyais que je me défonçais, en fait, j'ai rien, heureusement. Okay. Tu sais, par rapport à la moto, tu sais, je fais ça. Je crois qu'il prend la moto dans la tête, c'est un vélo, quoi. Ouais. Rien à voir. Oh, là, rien. Bon, voilà. Tu viens par devant. Il est là, le fils qui part devant des familles. Ouais, là. Deux petites chutes. Bah là, c'est parti du métier, gros, quand t'apprends en même temps. Ouais, c'est clair. Je douille un peu là. Plus ou moins j'avais un vieux tatouage que j'avais fait quand j'avais 15 ans. Et là, ben, je me suis fait une énorme croix noire dans le dos pour barrer en fait mon ancien tatouage. Donc j'ai écrit en dessous Childhood Mistakes, What the fuck, WTF. Genre en gros une erreur de jeunesse quoi, une erreur d'enfance en gros. Donc voilà pour la petite histoire de ce tatouage. Bon voilà, ce matin on est de retour au studio. Et on est en train de travailler donc des instrus et une collab qu'on va faire avec des jeunes DJ de Aix-en-Provence. Voilà, donc super stylé, c'est vraiment cool, ils font des trucs vraiment trop stylés. Vous pouvez écouter un peu. Bon les gars, du coup, Midnight Sun. Yes. 21 ans, Jules, Nicolas, 19 ans. Voilà. On a fait une école de DJ producteur sur Nice. Et maintenant voilà, on se lance. Trop stylé les gars, franchement ça va être des gains. Donc j'ai hâte de vous montrer un peu tout ce qu'on va faire rapidement donc cet été. C'est sûrement des morceaux qu'on va. Sûrement des morceaux qu'on va mettre peut-être même dans des edits de bike ou ce genre de trucs. Donc ça va être vraiment cool. Donc pour vous expliquer un petit peu la journée d'aujourd'hui, alors dans quelques jours on a un très gros événement, c'est la première partie du concert de Val. Au Puy-en-Velay, donc organisé par Ride the World. Je fais un peu de promo pour eux, allez prendre vos places. Et du coup bah, aujourd'hui ça va être une journée, une matinée du moins répète. Donc là il est 9h20 et j'ai rendez-vous à 10h à la salle de répète avec Brian pour commencer à répéter, pour voir comment va se passer le show, pour organiser un petit peu tout, pour être clair, voilà. Donc pour l'instant il n'y a pas encore Omska parce que il est à Londres et que ça bosse dur. On n'a pas EV non plus, on n'a pas de backer, on est pour l'instant un peu à l'arrache parce que c'est les premiers préparatifs. C'est vraiment savoir comment, qu'est-ce qu'on va faire, quel set on va jouer. On a 40 minutes de show, voilà, pour info. Donc ça se passera le 27, c'est au Puy-en-Velay. 27 décembre, c'est au Puy-en-Velay, c'est la première partie de Vald pour l'événement de Ride the World. Donc j'espère que vous êtes chaud. Yo, bon ben là on est à l'endroit en fait où on fait toutes les répètes pour les concerts Maki. Donc là je vais l'aider à backer aujourd'hui les sons. Qu'est-ce qu'il dit l'homme? Elle est là. Oh, on a fait le check raté, le plus grave, là, allez là. Toujours à la bourre comme d'hab. Toujours à la bourre comme d'hab, ouais. Donc là, c'est l'endroit en fait où on va backer. Donc c'est l'endroit où on fait toutes les répètes en fait pour les concerts. Donc voilà, trop stylé. Omska, c'est pour toi, fais une démo Omska, explique-lui. Omska, regarde ça. Wouh, violent, c'était bien, je te check. Je suis pas rancunier, je les ai pardonnés. Sur un son de guitare ou de piano, je veux passer mes vacances à Propriano. Ils ont voulu des infos, je leur ai rien donné. Je suis pas rancunier, je les ai pardonnés. Sur un son de guitare ou de piano, je veux passer mes vacances à Propriano.